Aujourd'hui, encore une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, c'est une aventure qui n'est pas prête de se terminer, puisqu'on a commencé Football Manager. On a commencé Football Manager avec l'équipe de Grenoble, le GF38, dans le stade du Vercors. Ce GF38, faut le faire monter en Ligue 1, on veut même le voir en Europe. Mais ça va pas être aussi facile. D'abord, on va commencer par le recrutement, on va commencer par un petit épisode. Ici, c'est les best-of, j'espère que les best-of vous plairont quand même. Il y aura tous les replays sur la chaîne Replay, bien évidemment, normalement ils sont déjà postés en avance. Et si vous voulez voir, bien sûr, le live, parce que oui, on fait tout ça en live sur Twitch, venez me retrouver sur Periado sur Twitch. Et puis voilà quoi, on se laisse ici. Si vous kiffez Football Manager, bien sûr, faites-le moi savoir parce que on n'est pas beaucoup sur cette chaîne à kiffer. Mais bon, c'est mon contenu, c'est moi qui décide. Comme d'hab, les pouces bleus, les commentaires, les abonnements, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve pour l'épisode 2. Bon visionnage. Même si je suis tout seul, vous êtes fous, moi je continue cette série. Et je suis trop content de faire ça. Pour commencer cette série, on va prendre un club que j'ai longtemps réfléchi. J'ai très longtemps réfléchi. Moi, je me suis dit, je peux aller partout. Je peux aller partout comme club de foot. Genre, je peux aller en Asie, je peux aller en Europe, genre j'ai vraiment tous les clubs. Genre je peux aller en Angleterre, en dernière division, je peux avoir un club. Et là, je me suis dit, on va prendre un vrai objectif. On va prendre notre objectif, moi ce que je veux, c'est l'Europe. C'est aller en Ligue des Champions, je veux gagner la Ligue des Champions. On va pas prendre le, tu vois, Marseille, Paris, trop facile. Lille, trop facile. Arsenal, trop facile. Mais là, je me dis, on veut du challenge. On veut vraiment un truc où il y a du concret. On veut challenge. Donc pas la Ligue 1, mais on va aller en Ligue 2. Et en Ligue 2, ça va être un challenge un peu plus difficile. On va pas prendre un club, tu vois, un peu facile, qu'ils ont du budget, du genre... genre Guingamp, tu vois, ils ont du budget en Ligue 2. Pas Toulouse. On va prendre un truc un peu moins fort. Parce qu'on veut gagner la Ligue 2, mais pas que ça soit trop facile. On veut pas que ça soit donné. Le Havre, c'est trop donné. Grenoble est à nous. On va être le coach de Grenoble, on va être le directeur sportif de Grenoble. Et il va falloir tout gérer. Tout gérer de Grenoble. Et on veut Grenoble en Ligue des Champions. C'est jamais arrivé. Grenoble en Europe, c'est jamais arrivé. Ça va être une première. 23-03-2000, ma date de naissance. Alors. Diplôme continental. Ah, en vrai, on va se faire par rapport à Grenoble. Les dirigeants de Grenoble ont confirmé aujourd'hui que Periado Gaming avait pris la tête de l'équipe. La nomination de l'entraîneur de 20 ans. En plus, c'est pile mon âge, attendez. Historique du club. On a gagné la Ligue 2 en 1960-1962. Et bientôt, faut la gagner en 2021. On est obligé. On a gagné le championnat national en 2001. Ça remonte un peu. National 2 2017. Ah oui, ils ont été relégués économiquement, il me semble, Grenoble. Il n'y a pas très longtemps. Alors, ça, c'est l'équipe que j'ai. En vrai, je pense les jeunes de 23 ans, ça va être sûr et certain. Rester dans les limites du budget. Ça va être un peu chaud. Ouais, de toute façon, on va faire le tri. On va faire le tri. Là, faut tout découvrir. Là, ça va être le début de saison. Ça va être un peu le plus dur. Et ça, on va le faire après. D'abord, je pense qu'on va faire toute la tactique, la compo, etc. Pour voir qui je vais renouveler ou pas. On va faire notre tactique. Pour voir qui on va mettre, comment la tactique, etc. Franchement, j'ai réfléchi un peu à la tactique. Déjà, je pensais en jouer soit en 4-4-2, mais pas en 4-4-2 à plat. Tu vois, en 4-4-2 offensif. Et tu vois, là, on peut changer notre technique. Déjà, moi, mentalité, je suis plutôt positif. Tu vois, j'aime pas être trop offensif, parce qu'offensif, ça veut dire ils vont tous monter. T'as une contre-attaque, t'es un peu baisé. Je suis Grenoble, donc j'ai pas recruté tous les postes, ça va être pas mal. Faites moins de dribble, moi, je suis pas trop dribbleur. Tu vois, les petits Algériens qui font... Je suis pas trop ça, moi. Ça me fume. Quand tu vois au City, tu vois un mec faire... Obligé, c'est un Algérien ou quoi, il me fume. Ceux qui font ça, oh, je les aime tellement. Ils me font trop rire. Coach Periado. Mais oui, attends, Coach Periado. Profondeur de l'effectif, c'est ça que je voulais voir. Ok, du coup, j'ai deux gardiens, mais il y en a un qui est pas ouf. Là, par exemple, là, je suis en Ligue 2, je suis à Grenoble, et le but de Grenoble, ça va être vraiment d'améliorer mon équipe et de partir en Europe, quoi. Avoir la Ligue des Champions. Responsable, il me faut un responsable des analyses de performance. Recruteur, par exemple, là, tu vois, je vais même gérer les recruteurs pour aller scout des personnes, c'est-à-dire espionner des personnes, pour voir qui espionner, qui tu vas recruter, et c'est à toi de tout faire. Vraiment tout, de A à Z. Ah ouais, en vrai, franchement, c'est vraiment bien. Quand tu te mets dedans, je te promets, c'est le meilleur jeu. C'est dur à comprendre parce qu'il y a beaucoup de stats à faire. C'est vraiment compliqué à assimiler. Mais quand t'es dedans et que c'est toi qui joues, c'est trop bien. Ok, on a 5 matchs. Je joue le Dynamo en match amical. Rencontre. On va organiser un petit amical, tu vois, pour gagner de l'argent. Parce que si on organise des amicaux, on gagne de l'argent. Là, tu commences en Ligue 2 ici. Ok, c'est parfait. Centre d'apprentissage. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ça que je kiffe, moi, sur Football Manager. Attends, c'est combien? Il nous propose combien, là? 10 500? T'es fou, toi. T'es fou, frère. Je peux pas lui contester l'offre? Faut qu'il reprenne le chemin d'entraînement. Alors, leader d'équipe, Brice Maubleu, faut faire très attention, faut surtout pas le virer. Si on le vire, c'est la guerre au club. Atmosphère, normal que ça baisse, j'ai vendu quelques joueurs. Présentez-vous aux joueurs, très important de se présenter. On va se présenter aux joueurs. On va laisser ça comme ça. En vrai, on est pas mal. C'est bientôt la mi-temps, de toute façon. Allez, là, on veut du but, nous, on veut du but, là. Allez, motivez-vous. Là, on est vrai coach, là. Là, tu vois, je suis au bord du terrain. Je fais, allez, les gars, allez. Oh, le but. Yori Kravets, le but. Mon équipe est pas mal. Il y a 1-1.
Après, c'est notre équipe, on joue contre notre équipe. Mon Brice. Mon Brice qui va faire remonter la balle. Oh la passe, elle est magnifique. Là, les joueurs commencent à se comprendre. Oh le but. JT, très bien. JT, là, je commence à bien t'aimer, toi. Du coup, on se gagne 3-1. 3-1 ce petit match contre nous-mêmes. Kiné 6. Frérot, oh. Je veux pas de la... Je veux pas n'importe qui, moi. Les gars, on est Grenoble, on n'est pas... On n'est pas je sais pas qui, hein. Oh, contracture. Allez, ça commence les blessures. Coup d'envoi. Là, on a un vrai match. On joue à Bourg-en-Bresse. Pour ceux qui connaissent Bourg-en-Bresse, toute petite ville. Allez, Grenoble. Oh, la frappe. Le coup franc de Ravette. Poteau. Le but. Yuri Kravets. Qui fait la passe D à Jonathan Bennett. Ou je sais pas comment il s'appelle. Vas-y, le centre. De Piquel. Bouzit. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va recruter du staff. Avant le 1er août. Et après, on va se concentrer un peu sur les joueurs. Là, j'ai recruté tout le staff avant. T'as fait tout le truc le plus chiant, tu l'as passé. J'ai recruté tout le staff. Genre, j'étais en manque de staff. Faut juste que tout le monde accepte. Il y en a un qui accepte pas, j'ai trop le seum. Regarde le staff que j'ai recruté. Il m'en manque encore 4, là. Équipe de recruteurs. J'avais 0 recruteur. Comment tu veux que je trouve des joueurs avec 0 recruteur? J'ai demandé Yuan Kabay. On a recruté Yuan Kabay. Mais il a grave de contact. Ligue 1, première division. Je savais pas qu'il avait arrêté sa carrière. Je pensais qu'il jouait encore à la Saint-Etienne, tu vois. Par contre, il coûte pas cher, hein. Yuan Kabay qui coûte 1100 par mois. Il fait plaisir, franchement, avec tous les contacts qu'il a. Là, on est pas mal. Là, on commence à voir le staff. Maintenant, on va se concentrer sur les joueurs. Donc, si vous connaissez des joueurs de Ligue 2 qui peuvent être pas mal, moi, ça me va. Mais là, le staff, c'est le plus dur. Quand tu connais pas. Après, les joueurs, c'est basique. Et après, quand la saison elle est démarrée, tu vois, tu fais ta saison, tu fais les matchs. Et puis, ça va. Là, c'est t'as beaucoup de trucs à voir. C'est quand même compliqué. Ravette. Il y a qui peut aller à la place de Ravette? Il y a Semedo, il joue déjà. Il y a JT. Les matchs, c'est FIFA Wish. Ah ouais, les matchs, c'est... Par contre, c'est éclaté comparé à FIFA. T'as rien à voir. Après, franchement, t'as vu le côté gestion, où t'es vraiment statistique et tout, c'est tellement mieux que FIFA. Enfin, faut aimer, mais c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est vraiment les matchs de préparation. Tu vois, ça fait presque 2 heures, on fait des matchs de préparation. Oh! J'ai pas vu le but. Coup franc de Diallo. Ah, c'est un corner. La tête de JT. Le but. Là, pour le moment, attends, match de préparation, on est bien. Et là, j'ai hâte de recruter des pépites, hein. Les pépites, j'ai vraiment hâte de les recruter. Allez, c'est Medo. Fais-moi du... Mais JT, je le kiffe. JT, lui, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars, JT. Jérôme Gaspard. Mais Gaspard, il est pas ouf, hein. Lui, il va pas jouer longtemps, je sens, avec nous. Mais bon, on va faire tourner pour voir l'effectif, pour voir la profondeur un peu. J'espère que nos recruteurs, ils ont fait un bon boulot. Anarini. JT encore. JT. JT, ça on aime. C'est ça qu'on veut, mon gars. Là, on est bon. Là, on est très très bon. Après, de toute façon, faut recruter. Mais là, il manque d'argent, tu vois. Moi, je veux des vrais bons joueurs. Notre but, c'est de monter en Ligue 1. Et pas de rester en Ligue 2. Du coup, faut vraiment les meilleurs joueurs. C'est ça qui est compliqué. Faut faire des bons choix. Normalement, notre équipe commence à connaître la technique. Enfin, la tactique, plutôt. Le stade, il est clair à Grenoble, hein. C'est Medo. C'est Medo qui nous fait plaisir. Tranquille, bon, ça va. Piquel, il fout quoi, Piquel? Il est au poteau, il l'arrête même pas? Charles Piquel contre son camp. Alors lui, mon pauvre, tu as sauté, hein. Mais le mec, il est dessus, il fait rien. Charles Piquel, t'es où? T'es qui, Charles Piquel? Ouais, t'as de la chance. Putain. Tu fous quoi, Charles? Sérieux, lui, mais le mec, il met en plein milieu, il l'arrête même pas. Oh non, c'est action pour eux, ça. Taclez-moi ça, tacle. Non, pas là. Attendez un peu. Oh! Oh les gars, vous faites rien là! Oh, il faut rien! Le même poste, lui, il est un peu plus avancé. Il a quel âge? Il a 22 ans. 22 ans, franchement, c'est. Ça va, hein. Jeu technique, il est moins technique. Attaque, c'est pareil. Vision du jeu, il est un peu moins. Vitesse, c'est un peu plus de vitesse. Après, c'est un joueur secondaire. Il a du potentiel, ce que d'autres n'ont pas. Kaza pourrait avoir du mal à bien s'entendre dans le noyau dur des joueurs, mais devrait pouvoir s'entendre avec d'autres joueurs. N'y appartenant pas, ok. Personnalité normale et équilibrée, aime disputer des gros matchs, joueur régulier, bonne pointe de vitesse, peut évoluer au moins à 2 postes. On va se faire 6 versements de B annuel. Franchement, il a l'air pas mal, hein. Il a 22 ans. 22 ans, normalement, t'es censé avoir une bonne petite progression. 200k, mais on l'achète sur 2 ans. Prime de match, 725. Frérot, tu demandes un peu beaucoup, frérot. J'ai oublié de baisser la prime, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, on est bien. De toute façon, il va être revalorisé. On a fait une offre, faut qu'elle soit acceptée maintenant.
pense qu'on va aller scout des mecs comme ça direct, hein. Niveau staff, on est comment? Niveau staff, on est bien maintenant. Cette kiné, on a augmenté les recruteurs, on a un peu plus de personnel. Déjà, ça, c'est parfait. On veut un bon match. Contre Lorient, c'est le match qui va prouver si on est bien pour la Ligue 2. Franchement, on est vachement groupé, hein. On n'a pas une défense écartée, là. Lorient, il s'écarte un peu plus sur les ailes. Et voilà, logique. C'est ce que je disais. Il s'écarte un peu plus sur les ailes, on se prend un but direct. Voilà, poisson profondeur qui est très bien dosé. Heureusement, ça sort. Allez, il va centrer. On va voir si on est bon de la tête. Ils sentent même pas. Ils veulent pas centrer. Oh, ça sent le but. Bon tacle. Mon Brice, mais pourquoi tu n'as pas dessus, mon Brice? Qu'est-ce que tu fais? Taclez-le moi. Il a mis une pépite. La pépite qu'il a mis. C'est quoi ça? Oh les gars, concentrez-vous. Pas ouf. Jekyll. Mets-moi un bon centre. En plein dans le tas. Parfait. C'est Médo. Ça, c'est on aime. Ça, on aime. Bien joué, Piquel. Là, c'est un beau but. En vrai, on a un jeu offensif, faut vraiment... On va changer le gardien, là, c'est pas possible. C'est quoi ce gardien en carton? Oh, ma bleue! Brice! Brice, on comptait sur toi cette saison. Je vais pas devoir te changer, quand même. Bravé. JT. JT, je sens qu'il va te régaler notre saison. Orienté. Oh, faut le dégager, ça. On s'est pris 1-0, on fait 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, et ça va faire quoi, 3-3? Oh les gars, la défense c'est quoi ça? Attendez, en expected goal, on fait 1-24, eux 0-80. Normalement on doit être devant là. Il manque de concrétisation devant je pense. Alors là j'ai rien capté à ce que j'ai fait mais bon, pas grave. L'orienté. La passe pour Bourri, Boscar, je sais pas quoi. Putain je me prends 4-2, oh but refusé, il est hors jeu. Heureusement. Ah mais ça va. Pourquoi c'est comme ça là? Mais frère, mais je me fais dominer un point. T'es abusé ça. Tout cela ne mène nulle part, mais je suis professionnel et je vais en rester là, même si je ne suis pas content de la manière dont ça s'est passé. Mais frérot, je veux que tu restes là. Eh mais mec, si tu veux partir frérot, j'aurais plus de latéral, comment je fais moi? Dernier match amical, là faut le réussir. Contre Cholet, en plus Cholet c'est un match important quand même. On va garder notre effectif de base. Allez, Piquel, en plus, faut que tu me prouves que tu mérites ta place, quand même. Hein. Anani. Pourquoi il tente de frapper d'ici? J'ai dit, faut pas frapper de loin. Il frappe dans la surface, il frappe de loin. Ravette. Anani. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Et ouais. Ça se voit d'ici, les gars. Mais moi, je le vois. On brise. Ouais, dégage-moi tout ça. Anani, ça, c'est un beau but, ça, Anani. Ça, c'est très bien joué. Là, félicitations. Voilà, là, on commence à comprendre comment jouer. Ça, j'aime bien. Bennett, oh la passe à Nani. JT, JT à frappe. Voilà, ça on aime ça. 2-0, là on est bien. On veut que vous preniez vos responsabilités. Maggiotti. Maggiotti, attention. Oh putain, il est beau. Franchement, il est beau leur but. Mais faut pas le prendre ça. Ça, faut pas se le prendre, les gars. Ah ouais, Ravette, ça part bien sur le côté. Ravette, il fait le jeu quand même. Penalty, clairement le penalty. Changer joueur. Attendez, qui tire les penalty? Manuel Pérez. Ça me va. Premier penalty. En vrai, il est donné, il est donné. Ça me va. Ça me va, t'as bien tiré, frérot, je suis content. 3-1, 82ème, je pense que le match il est plié, mais on va faire gaffe. On va quand même se rester en équilibré. Blessé, 1 à 3 jours, ok, il a un hématome à cheville. On a bien fait de le changer quand même. Et on va aller direction notre premier match en Ligue 2, tout doucement. Je vais même pas assumer leur salaire, j'aimerais bien, mais je vais pas assumer leur salaire, ça va être compliqué. Hein. 22K, oh ouais, mais mec. Oh, Grenoble, ils ont pas d'argent. Hein. Ouais, là on est pas mal. Manque un préparateur. Bon, deux recruteurs, mais on est bien. Ok, il manque un truc ici. Il manque un chercheur. Après, ça va. Il manque un kiné. En vrai, ça va, on est pas mal. Non, mais les gars, me proposez pas des joueurs claqués comme ça, s'il vous plaît. Pas possible, ça. Allez, les gars. Allez, Grenoble. Là, on veut que vous gagnez, là. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Je veux que vous fassiez toute la différence. Je veux que vous gagnez ce match. Il faut être dans le top du classement. Il faut qu'on monte en Ligue 1. Sinon, on n'a pas de budget. Et Grenoble sans budget, c'est pas Grenoble. Allez, les gars. Là, il m'entend, je sais. On est rouge, les gars. Ça, j'aime pas, déjà. Allez, tacle-le-moi, là. On n'en parle plus. Pas possible, c'est quoi ce but? Pourquoi tu me le tacles pas, là? Frère, la balle est sortie. Pourquoi tu le mets pas devant?
Allez Grenoble, je sais qu'on n'est pas chez nous, mais on peut le faire. Oh non, non, pas un deuxième but déjà. Allez, on connaît la compo là, on a révisé à l'entraînement. Putain, mais c'est pas possible. C'est qui Ali Abdi là? Ali Abdi. Frérot. Ali? Oh putain, le gardien il a arrêté. C'est Médo. Faute. Oh le pénalty là, frérot. Le pénalty là. C'est Médo. Allez, avant la mi-temps, ça fait mal, hein. Avant la mi-temps, ça fait un coup dur. Pérez. Allez, faut le marquer celui-là. Bennett. JT. Pérez. Bien ça, Piquel. Piquel le centre. Anani. Ça, c'est bon ça. Avant la mi-temps, ça fait un coup dur. JT. JT qui a très bien écarté. Après, Pérez. Pérez qui écarte sur le côté pour Piquel. Piquel le centre. Et Anani qui a juste à pousser la balle. Le gardien est dépassé. Le but. 2-1. Grenoble qui revient dans le match. Bennett. Allez, on part sur les côtés. On fait des bons centres, les gars. Ravette. Tout part de toi, Ravette, normalement. Tout part de toi, là. T'es où? On te voit pas. Monfrey. Bennett. Anani. Ravette. J'ai dit tout part de toi. J'avais dit que tout part de toi. On a rattrapé le retard. Là, 2-2. On a bien joué. On est bien passé par l'intérieur. On savait qu'il y avait une faille à l'intérieur. On l'a bien exploité. Ravette qui a juste à pousser. Le gardien est battu. C'est pas fini. C'est très bien. Oh putain. Oui, bien joué, Ravette. Très bien joué. Bennett. Bennett qui fait lancer un très long ballon pour Enen. Enen le centre. Anani. Le but. Le but à la dernière minute. Le but à la dernière minute. Il mène 2-0, mais on remonte. Oh, ça, je suis content. En vrai, franchement, c'est un très beau but. Anani, de la tête, il est très très bon. Hein. On gagne à l'extérieur, il gagne à l'extérieur, c'est pas si facile. En vrai, Mo Bleu, il a pas fait un beau match, hein, franchement. Il a vraiment pas fait un beau match. Mais, quelle réaction. Vraiment, je suis très content. Très content de mes joueurs, là, c'est un très beau match. Oh, putain. C'est un grand bonheur. C'est un bonheur fou. Un match, une victoire pour le moment. On s'en sort plutôt bien. C'était un match quand même assez dur. Hein. On s'est fait vraiment emmener dès le début. Mais on a su très bien remonter juste avant la mi-temps. Et avant la mi-temps, vraiment, on a bien réagi. Et deuxième mi-temps, elle était pour nous, la deuxième mi-temps. Très bien réagi. Anani qui nous a quand même sauvé, but de la tête. Deux buts. Ils font énormément plaisir. Et franchement, le prochain match va être tout simplement une pépite. On va sauvegarder la partie. Et je pense qu'on peut se laisser ici. Je vous remercie.